Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau 3 minutes chrono de l'UIC avec aujourd'hui une grande question. Qu'est-ce qu'un courtier et comment il doit exercer ? Qu'est-ce qu'un courtier ? Ben c'est simple, hein. C'est un intermédiaire en opération de banque et en service de paiement. Le courtier est un intermédiaire entre le client et l'ensemble des banques qu'il va solliciter pour lui obtenir un financement. Le courtier, comme j'aime à le dire, n'est pas un super commercial, même si on n'est pas trop mauvais, mais le courtier est plutôt une profession réglementée qui a un devoir de conseil et qui a énormément d'obligations et de contraintes. Notre métier est très encadré et c'est important de rappeler à nos clients que nous sommes contrôlés par la CPR, que nous sommes contrôlés par l'ORIAS, que nous sommes contrôlés par notre association obligatoire à laquelle on doit désormais adhérer, qu'on a un devoir de conseil, qu'on a un devoir de formalisme, qu'on a des responsabilités au niveau du TRACFIN. On est un vrai métier financier avec des heures de formation obligatoires, avec un niveau d'études minimum ou un niveau d'expérience. Donc le courtier n'est pas juste un commercial qui déposerait un dossier en banque. Un courtier est un vrai professionnel du crédit qui sait faire du sur-mesure et qui a des compétences. Le code monétaire et financier le dit. Le courtier est mandaté par son client à l'exclusion de tout autre mandat. En clair, le courtier est mandaté par son client pour aller démarcher les banques. Ce mandat que lui confie le client est comme une procuration et la banque ne peut pas s'y opposer. C'est le code civil qui dit que le contrat passé entre les parties s'oppose au tiers. Pour être encore plus clair, les conventions que l'on peut passer avec les banques sont possibles mais ne sont pas exigibles. Le client nous mandate et on a le droit de solliciter l'ensemble des banques, que l'on ait ou pas de convention. La convention relève du droit commercial. La banque a tout à fait le droit de faire un contrat avec un courtier. La banque a tout à fait le droit de le rompre. En revanche, le fait de faire notre métier relève bien du code monétaire et financier. Il n'y a plus de doute et d'équivoque à ce jour, puisque le ministre de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, l'a rappelé fin décembre dernier devant l'Assemblée nationale en disant que les courtiers étaient mandatés par leurs clients, que les conventions n'étaient pas nécessaires et que les banques qui ne respecteraient pas cela devraient être sanctionnées par l'autorité de la concurrence et la DGCCRF. Aujourd'hui, la majorité des établissements financiers, grâce au travail de l'UIC depuis 4 ans, reconnaît le mandat. Crédit Mutuel, CIC, Crédit Agricole, LCL, Banque Populaire, Caisse d'Épargne. Aujourd'hui, les courtiers sont libres d'exercer librement dans l'intérêt unique de leurs clients. Ça, c'est la victoire de l'UIC. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les banques peuvent choisir ou pas de nous payer, mais qu'elles ne peuvent pas nous empêcher de travailler. Ce changement total de vision et de paradigme a été porté par l'UIC et il aura fallu que 4 ans au syndicat pour obtenir finalement ce que les autres disaient impossible depuis 30 ans. La première victoire est là, notre objectif était là, que chacun puisse exercer librement. Donc un courtier est un professionnel du crédit, contrôlé, formé et qualifié, qui travaille pour son client, qui va le mandater et ce mandat s'oppose au tiers. Et l'UIC au quotidien est là pour que si ça se passe pas bien, si des établissements bancaires ne le comprennent pas, ne veulent pas l'appliquer, l'UIC est là pour vous accompagner. Donc adhérer à l'UIC, c'est pas seulement adhérer à un syndicat pour être défendu à titre individuel. Adhérer à l'UIC, c'est faire en sorte que notre métier ait eu la reconnaissance qu'il aspirait depuis 30 ans et la liberté d'exercice auquel nous avions tous droit.